Bienvenue chez Projet Méga. Michael Hartnett, un stratège éminent de Bank of America, a souligné dans un rapport publié le 1er septembre que si l'indice ISM de l'industrie manufacturière des États-Unis, prévu pour le 3 septembre, dépasse 49, cela pourrait faire grimper le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans au-dessus de 4,3%, entraînant une vente massive sur les marchés. Pendant ce temps, Fitch Ratings a averti qu'un tiers des 5,7 trillions de dollars de dettes de qualité aux États-Unis arrive à échéance, posant un risque de retard de remboursement. Avec une inflation américaine passant sous les 3%, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a signalé une possible baisse des taux la semaine dernière, suggérant que septembre pourrait marquer le début d'un cycle de baisse des taux. Powell a déclaré explicitement que la Fed ne cherche ni ne souhaite un refroidissement supplémentaire du marché du travail. Cependant, le marché anticipe largement la publication de données robustes sur les emplois non agricoles pour août le 5 septembre, ce qui pourrait amener la Fed à maintenir des taux élevés, mettant ainsi la pression sur les bons du Trésor américain et les remboursements de dettes. Cette situation intensifie les défis économiques auxquels sont confrontés les États-Unis, avec des préoccupations persistantes quant aux taux d'intérêt élevés qui déstabilisent davantage les marchés financiers américains. Simultanément, le Japon a publié les données d'inflation de juillet la semaine dernière, montrant un taux d'inflation de 2,7%, marquant la deuxième année consécutive au-dessus de l'objectif de 2% de la Banque du Japon. La Banque du Japon a averti que la dépréciation du yen pourrait exacerber les risques d'inflation, nécessitant une augmentation continue des taux d'intérêt. Les investisseurs sont optimistes quant à une nouvelle hausse des taux par la Banque du Japon en octobre. Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré la semaine dernière que le Japon est prêt à augmenter les taux à tout moment si les tendances économiques et des prix concordent avec les prévisions. Il a également noté que les conditions financières restent accommodantes même après l'augmentation des taux de juillet. L'augmentation inattendue des taux par la Banque du Japon a eu des répercussions sur les marchés financiers américains, avec les traders de Wall Street devenant de plus en plus pessimistes quant à une récession économique aux États-Unis, entraînant des baisses significatives des actifs américains et des retraits accélérés des actions et obligations américaines. Cette situation souligne les problèmes croissants de la santé des marchés financiers américains et pourrait exacerber les problèmes fiscaux et de dettes déjà graves de l'Amérique au cours des quatre prochaines années. La vétéran des prévisions de Wall Street, Daniel DiMartino Bus, a averti le 1er septembre d'une vague imminente de faillites d'entreprises aux États-Unis, avec davantage d'entreprises susceptibles de réduire les embauches et de licencier des employés, entraînant une augmentation du chômage et une pression économique supplémentaire. Le contexte de ce bouleversement financier inclut le rôle du Japon en tant que plus grand acheteur de bons du Trésor américain. Le coût de bombe historique de 200 milliards de dollars du Japon impacte considérablement les marchés financiers américains. Dans un environnement de dollars à haut taux d'intérêt, la vente historique d'actifs financiers américains par le Japon pourrait déclencher davantage de volatilité sur les marchés. Les analystes estiment que dans ces conditions défavorables, les investisseurs pourraient être prêts à vendre des actifs clés en dollars, y compris les bons du Trésor américain et les dépôts bancaires. La Réserve fédérale pourrait discrètement liquider les risques croissants de défauts de paiement et de déficit, ciblant les économies avec des problèmes économiques et financiers notables pour tirer parti de l'asseigneuriage. Sous l'effet de la marée des dollars, ces marchés continueront d'être affectés, exerçant une pression supplémentaire sur l'économie indienne. L'Inde fait face à des défis économiques particulièrement sévères. Selon Refinitiv Aikon, la croissance de l'économie indienne au cours des 32 dernières années a largement dépendu de la capacité de ces entreprises à accéder aux marchés occidentaux. Cependant, avec les pressions récessionnistes croissantes dans les économies occidentales, des signes de stagnation émergent dans l'économie indienne, pouvant conduire à un ralentissement significatif ou même à un risque de récession. L'économiste Nouriel Roubini suggère que l'Inde pourrait ne pas échapper pleinement aux impacts d'un ralentissement des économies américaines et européennes. Les ajustements dans les politiques monétaires mondiales pourraient également poser des obstacles à la croissance économique indienne. En particulier, le ralentissement des embauches dans les secteurs manufacturiers dépendant des exportations de l'Inde, tels que l'ingénierie, les textiles et les logiciels, est évident, avec des données montrant une baisse de 12,2% des exportations de biens manufacturés indiens en juillet par rapport à l'année précédente. Le 31 août, Moody's a émis une perspective négative sur la notation de crédit souverain de l'Inde, citant l'augmentation de la charge de la dette et la capacité de remboursement affaiblie. Moody's prévoit que la charge de la dette fédérale de l'Inde atteindra 84% du PIB d'ici 2025, bien au-dessus du niveau pré-pandémique de 70% et largement au-dessus de la moyenne de 55% pour les économies ayant une notation BA.
Cela indique qu'avec les signaux pessimistes des agences de notation américaines, les coûts d'emprunt de l'Inde dépasseront ceux d'autres pays, notamment dans le contexte de l'augmentation des coûts d'emprunt en dollars, augmentant ainsi la pression sur la stabilité financière de l'Inde. De plus, l'inflation en Inde reste au niveau élevé de la fourchette cible de 6%. Pour freiner l'inflation, la Banque de réserve de l'Inde a augmenté les taux à 5 reprises depuis avril 2022, portant le taux directeur à 6,25%, proche d'un niveau de 4 ans. Cela a fait grimper les coûts d'emprunt à des niveaux proches de ceux de 4 ans, un membre de la RBI indiquant que ce niveau représente désormais un risque pour la croissance économique de l'Inde. Le rapport de Goldman Sachs du 1er septembre souligne qu'en raison des coûts d'emprunt croissants, de la baisse des revenus d'exportation et de l'investissement faible, l'Inde pourrait perdre son élan de croissance d'ici 2025, avec un risque de récession en perspective. Dans le contexte d'un ralentissement économique américain et des problèmes de plafond de la dette, les États-Unis pourraient exploiter davantage l'économie indienne et les marchés de dette financière pour alléger leur fardeau de dette élevée et les risques d'inflation. L'Inde a activement absorbé des capitaux, de la technologie et des talents des États-Unis ces dernières années. Mais les attentes de hausse des taux de change en dollars et les difficultés de la chaîne d'approvisionnement commencent à impacter les secteurs agricoles et manufacturiers de l'Inde, augmentant les prix des aliments et de l'énergie, tout en abordant les risques de dette en dollars dans le système bancaire. Le 31 août, ZeroHedge a expliqué que la racine de la vulnérabilité économique de l'Inde réside dans son piège de dette en dollars et son effort pour alléger la pression par des échanges avec les groupes d'intérêt de Wall Street. La forte croissance de l'Inde a reposé sur l'accumulation de dettes et l'exploitation économique des États-Unis intensifie la volatilité des marchés financiers indiens, pouvant entraîner davantage de sorties d'investissements internationaux. L'Inde manque de réserves de change suffisantes et la Banque de réserve de l'Inde reconnaît sa quasi-impotence face à la dépréciation de la roupie. Le rapport du FMI montre qu'au premier trimestre de l'exercice 2024, la dette générale du gouvernement indien est de 76,9% du PIB, le niveau le plus élevé depuis le deuxième trimestre 2018. Le plan budgétaire de l'Inde pour août inclut des dépenses à grande échelle pour la création d'emplois et les réformes fiscales, mais l'efficacité de ces mesures pour alléger les pressions économiques reste incertaine. Les données montrent qu'en juillet 2024, plus de 924 000 entreprises en Inde ont fermé ou ont été radiées, confrontées à des défis tels que l'instabilité réglementaire, les tarifs élevés, les politiques foncières lourdes et les problèmes d'infrastructure. Les difficultés d'investissement de Foxconn en Inde et le retrait d'autres investisseurs étrangers soulignent davantage les défis auxquels l'économie indienne est confrontée. En juillet 2024, Foxconn a annoncé un investissement de 10 milliards de dollars pour reconstruire un nouveau siège social en Chine. Et des clients majeurs comme Apple déplacent également une partie de leur chaîne d'approvisionnement vers la Chine. Ce mouvement pose un défi majeur à l'initiative Make in India de l'Inde et a attiré l'attention d'autres entreprises étrangères investissant en Inde. Les données récentes montrent que les flux d'investissements directs étrangers en Inde se sont élevés à 48,79 milliards de dollars, en baisse par rapport à 59,6 milliards de dollars en 2021. Ces chiffres reflètent les préoccupations des investisseurs quant au climat d'investissement en Inde. Morgan Stanley prévoit que le secteur manufacturier indien pourrait ne pas devenir un centre mondial, et si les autorités indiennes ne parviennent pas à traiter efficacement les problèmes découlant des sorties d'entreprises, l'économie indienne pourrait connaître un déclin de 20 ans, en particulier dans le secteur des exportations. La Banque mondiale estime que l'Inde a besoin de 1,7 à 2,2 trillions de dollars d'investissement en infrastructures, mais les progrès en matière de développement des infrastructures ont été lents. Ces facteurs suggèrent que l'économie indienne pourrait faire face à des défis graves et des risques de récession. Le retour des usines en Chine signale un potentiel changement dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et les priorités manufacturières. Alors que la Chine se réaffirme en tant que puissance manufacturière, l'Inde doit faire face à une concurrence accrue et à la nécessité de réformer son climat d'investissement. L'exode des entreprises étrangères de l'Inde soulève des inquiétudes quant à l'efficacité de l'initiative Make in India et indique des problèmes plus profonds au sein du cadre économique du pays. De plus, l'interaction entre les pressions financières mondiales et les politiques économiques nationales sera cruciale. La dépendance de l'Inde vis-à-vis des investissements étrangers et son fardeau croissant de dette posent des risques importants, pouvant freiner son élan économique. Le défi pour les décideurs indiens sera de naviguer dans ces eaux troubles, d'attirer et de conserver les investissements, et de mettre en œuvre des réformes structurelles pour renforcer la résilience économique.